Vendredi 13 septembre 1996, 8 rue Monge, Paris. Bonjour madame, bienvenue dans notre boulangerie. Vous êtes ouvert depuis quand ? Vous êtes notre première cliente. Et vos pains, c'est du pain au levain ? Mais ils sont tout petits ! C'est normal, avec le levain, les pains se développent moins, mais leur goût est exceptionnel. Et c'est combien ? 40 francs. Ah, merci. Puis, la cliente ressort, Eric est déçu. Eric Kaiser sait qu'il a du travail pour changer les habitudes de ceux qui consomment de la baguette blanche à Paris. Pourtant, il a tout misé sur cette première boulangerie ouverte avec son argent. Il a l'amour du pain, du travail bien fait et de la transmission. Il sait qu'il peut y arriver. Je vous emmène aujourd'hui sur les pas d'un entrepreneur qui fait de la boulangerie plus qu'un métier, un empire. Cet entrepreneur, c'est Eric Kaiser, un véritable amoureux du pain. Et tout commence dans la commune de Lure, en Franche-Comté. Donc, comme je vous le disais, faites des choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Je ne sais pas encore. J'hésite. Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je m'appelle Laurent Brouat, je suis le fondateur de Inspire Media et chez Inspire Media, en plus de raconter des histoires, nous aidons les sociétés B2B à lancer leur podcast. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous pourrez retrouver en descriptif de l'épisode. Eric Kaiser naît en 1964. Il est le fils, petit-fils et arrière-petit-fils de boulanger. Il a la boulangerie dans le sang depuis des générations, à Lure, en Franche-Comté. Alors, quand à 8 ans, la maîtresse de Lure lui demande ce qu'il veut faire, le jeune garçon répond « Moi, je veux être boulanger et voyager. » « Mais Eric, quand on a une boulangerie, on ne voyage pas. » « Moi, si. » Pourtant, les parents d'Eric arrêtent la boulangerie et déménagent dans le sud. Le jeune garçon, lui, n'a pas perdu de vue ses objectifs. À 14 ans, il commence son apprentissage de boulanger à Cannes, puis son maître d'apprentissage le pousse toujours plus à travailler le pain avec le levain. Eric n'en perd pas une miette. En 1983, il devient un compagnon du Tour de France et apprend son métier de boulanger en voyageant dans toute la France. Le rêve pour Eric. Il vit avec d'autres jeunes apprentis et apprend la vie en communauté. Après 5 ans de compagnonnage, Eric est prêt. Prêt à partir au Canada. Eric, tu as fini ton apprentissage. C'est le moment de faire le point. Oui, et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? J'ai rencontré une amie au Canada et je veux la rejoindre. J'ouvrirai une boulangerie là-bas. Eric, ça ne marche pas comme ça chez les compagnons du devoir. On t'a permis d'apprendre un métier et c'est à ton tour de former des compagnons. Ah, non mais c'est-à-dire que... Dès lundi, je te propose de commencer par un cours de panification pour les nouveaux apprentis. Je ne sais pas, ok. Eric Kaiser démarre alors une carrière de formateur, d'abord chez les compagnons, puis à l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie. Il crée des programmes de formation et se spécialise dans la panification sur levain liquide, une spécialité qui l'amène d'ailleurs à créer sa première entreprise. Eric Kaiser est un excellent formateur. Il conçoit pendant 10 ans des formations pour les boulangers et passe 2 jours par semaine dans toute la France. Oui, il voyage et fait de la boulangerie. Mais il est malgré tout frustré. Angers, centre de formation à la boulangerie. Monsieur Kaiser, merci pour votre cours sur la planification au levain liquide. Avec plaisir. J'ai une question. Oui ? Pourquoi vous n'auriez pas votre propre boulangerie ? Votre formation est géniale et je me disais que le pain que vous feriez serait incroyable. Ah, j'y pense, mais j'adore tellement voyager. Puis, dans le train, ce jour-là, Eric repense à la remarque de son apprenti. C'est vrai que j'aimerais montrer que ce que j'enseigne marche aussi dans la réalité. Après 2 ans d'essai, il crée avec Patrick Castagna, un ami, une machine pour conserver le levain liquide de manière naturelle. C'est le Fermento Levain.
Une révolution pour les boulangers qui n'ont alors plus besoin d'additifs pour leur pain et permet de réintroduire le levain dans la fabrication du pain. Ils vendent alors leur innovation aux industriels et Eric se met à voyager dans le monde pour expliquer le fonctionnement de son ferment au levain. Il ouvre aussi, en parallèle de son métier de formateur, une société de conseil. Mais pourtant, rien n'y fait. Eric n'a pas oublié son rêve, devenir boulanger. Et c'est avec cette idée qu'il va voir le directeur de l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie en ce début 1996. Avril 1996, Rouen, siège de l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie. Eric a un rendez-vous avec le directeur. Bonjour Eric, comment vas-tu ? Bonjour Jean, oui, tout va bien, enfin non. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Écoute, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai décidé de quitter l'INBP. Quoi ? Mais tu vas faire quoi ? Je veux ouvrir ma propre boulangerie et mettre en place tout ce que j'enseigne depuis 10 ans. Oui, Eric est décidé, même si c'est dur pour lui, d'abandonner l'enseignement. Il a 32 ans et sa femme est enceinte de leur deuxième enfant et Eric sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il investit alors tout l'argent qu'il a patiemment économisé pendant 10 ans et convainc un banquier de lui prêter le reste. Il dégote une boutique dans le 5e arrondissement à Paris, encore dans son jus, et la modernise de fond en comble. Après plusieurs mois de travail acharné, la boutique est enfin prête. Eric et nerveux, ce 13 septembre 1996. Et vos pains, c'est du pain au levain ? Mais ils sont tout petits ! C'est normal, avec le levain, les pains se développent moins, mais leur goût est exceptionnel. Et c'est combien ? 40 francs. Malgré tout, cette première boulangerie est un succès retentissant dans le quartier. Le goût du pain au levain, les pâtisseries présentées comme des bijoux dans la devanture et les panneaux tout en bois font fureur. Eric apprend vite et travaille pour accélérer les cadences pour servir les clients, car des files d'attente se forment désormais devant le magasin. Très vite, Eric sert aussi des clients prestigieux directement, comme l'atelier Robuchon, l'hôtel Georges V, des ministères, mais aussi des petites brasseries. Le pain bio sans gluten, travaillé avec du levain, commence à émerger et Eric est aux avant-postes. Il ouvre une, puis deux, puis d'autres boulangeries à Paris. Mais la passion du voyage ne l'a jamais quitté. Et c'est le Japon qui lui donne sa première opportunité. Tokyo, 2001. Monsieur Kaiser, Monsieur Kimura voudrait vous demander une faveur. Oui, bien sûr. Il voudrait que vous preniez son fils en formation en boulangerie. Eric n'en revient pas car son associé Shuichiro Kimura vient de la famille de pâtissiers la plus connue au Japon. Celle qui a inventé le Hanpan, un gâteau sucré rempli de pâtes de haricots rouges sucrés. Le Japon est donc la première implantation de la maison Kaiser à l'étranger et Eric crée une relation forte avec les Kimura. Une relation qui permet au Japon de devenir en 20 ans le premier pays après la France avec une 50aine de magasins. Mais la frénésie de l'international ne s'arrête pas pour Eric. Pour aller encore plus vite, il s'associe avec des entrepreneurs locaux ou délivre des licences de marque et fait même de la franchise. La recette est toujours la même, les boulangers sont formés en France ou en Asie, puis ils doivent suivre un cahier des charges précis sur les boutiques et les pains et les pâtisseries. La maison Kaiser s'implante dans 30 pays en 20 ans avec presque 300 boulangeries. Portugal, Corée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Chili, Mexique et même aux États-Unis. Mais pourtant, l'aventure américaine se solde par deux échecs. D'abord à Los Angeles, avec des associés qui ne lui correspondent pas, et à New York, avec une faillite de l'entreprise locale avec la pandémie. Eric construit un empire de la boulangerie en 20 ans. 1500 salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros. Le secret de la réussite d'Eric tient en un seul mot, la discipline.
5h du matin, Paris. Chérie, je pars courir. Ouais, ok. Mais tu pars plutôt que d'habitude, non? Ouais, car j'ai rendez-vous avec des coureurs du siège pour se faire une heure de course. Eric Kaiser se lève à 5h tous les jours, même le week-end, et il court aussi quasiment tous les jours. Puis, il se rend dans une des 16 boutiques de la capitale où il fait le tour du magasin. Un boulanger, ça se lève tôt et il a gardé cette habitude. Il revient alors au bureau de la maison Kaiser, puis travaille sur les prochains projets. Et notamment celui-ci, installé dans un atelier à côté de son bureau. Eric, il faut que tu mettes le micro sur le tablier. Ça y est, c'est bon. Prêt ? 1, 2, 3, ça tourne. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la recette du pain au lait et vous allez... Eric est devenu youtubeur et anime une émission mensuelle où il invite des gens et montre des recettes. Plus de 45 000 abonnés et 60 vidéos. Il revient dans ce qu'il aime le plus, transmettre. Mais il va encore plus loin le 17 février 2020. Le bon pain ne ment pas. Il dit tout de la qualité de ses ingrédients et du savoir-faire de celui qui le crée. Être un vrai boulanger, c'est produire un miracle quotidien, transformer des aliments simples, de l'eau, du levain, du sel et de la farine, en saveurs complexes et variées. Voilà ma passion, et je souhaite la partager et la transmettre à d'autres artisans en France et dans le monde. C'est la philosophie de vie d'Eric, une philosophie qui va prendre un tournant supplémentaire lorsqu'il lance le 17 février 2020 la Eric Kaiser School. Merci à tous d'être venus pour le lancement de la Eric Kaiser School en partenariat avec l'école de formation Skill & New. Avec cette école, chacun pourra passer son CAP boulanger ou tout simplement se former et apprendre les bases du métier. Monsieur Kaiser ? C'est assez étrange de former à la boulangerie avec une formation 100% en ligne, non ? Avec les vidéos que nous avons conçues, ils peuvent aussi pratiquer chez eux directement. Je veux surtout que mon métier, la boulangerie, soit accessible au plus grand nombre. Et surtout, Eric veut créer des vocations pour un métier qui manque de main-d'œuvre. Il veut porter haut l'étendard de la boulangerie. Un métier dont il est fier de père en fils. Et ça, c'est une autre histoire. Merci encore. Mais oui, faut le dire, hein, parce que là, franchement, c'est de la fidélité, c'est de l'amour, c'est beaucoup de choses pour faire ces épisodes avec vous. Et c'est précieux que vous nous aidiez, que vous parliez de ces épisodes, car c'est beaucoup de travail, de la documentation, de l'écriture, du travail d'acteur, bref. Merci à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture, Morgane Bouchiba pour le son et tous les acteurs qui nous aident pour construire ces beaux épisodes. Merci à tous et à bientôt.